Évolution drastique dans le rapport à l'entreprise. Si je reprends la génération des boomers, ils ont envisagé de prendre un travail, de le garder toute leur vie jusqu'à qu'effectivement ils aient connu la crise des milieu des années 90. C'est ce qui fait que la génération qui a suivi, la génération X, pour eux, ils avaient de l'ambition, ils voulaient réussir. En revanche, ils ne voulaient pas une fidélité éternelle à l'entreprise, ils étaient prêts à saisir des opportunités pour bouger. La génération qui a suivi, la génération Y, était extrêmement attachée à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et la dernière génération qui nous occupe, génération des millennials, eux, ils veulent donner un sens à leur vie. Ça dépasse très largement le cadre d'entreprise et l'entreprise est un moyen ou pas d'atteindre leurs objectifs de vie. Peut-être je fais exception à la règle, mais j'ai peu de turnover dans mon équipe, y compris au niveau des auxiliaires de vie. Je me suis rendu compte que j'embauchais de plus en plus de très jeunes personnes à qui je faisais très vite confiance, en fait. Et donc moi, ce choc-là des générations, je le vois pas. La difficulté à garder les salariés dans son entreprise, je pense qu'elle est éminemment liée à ce temps court. On est vraiment sur du très court terme. Et donc la vision long terme qu'on peut apporter, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour motiver à long terme ces équipes. Tu peux pas dire simplement, on va essayer de faire du fric. C'est pas suffisant comme motivation. Et si mon projet d'entreprise, il rencontre ton projet de vie, alors on va rester ensemble. Ce qui a été difficile pour moi et qui a fait que des moments j'étais un peu en proie au découragement, c'est comment on accompagne une équipe, tout en permettant aussi une certaine forme d'épanouissement personnel de chacun pour que tout le monde s'y retrouve, quoi. J'avais beaucoup de mal à faire confiance, donc j'étais sur le dos des gens assez. C'était au début, il y en avait même qui attendaient que je sois en ligne pour téléphoner pour pas que je les entende parler, tellement je devais les stresser. Donné, je me suis dit, je ne peux pas tout faire. J'ai décidé d'avoir des salariés. Il faut absolument que je leur fasse confiance. Génération des millennials, ça devient de plus en plus difficile de leur faire admettre un certain nombre de contraintes, d'objectifs, et que tout ne peut pas être que plaisir. Et qui a, à mon sens, un petit peu perdu la mesure de la compétitivité mondiale. Ce qu'on ne fera pas, la richesse qu'on ne produira pas, elle sera produite par d'autres et à notre détriment. La crise sanitaire a montré toute la fragilité des chaînes logistiques et le manque d'indépendance stratégique de la France dans bon nombre de domaines. C'est extrêmement noble de se donner des objectifs pour améliorer le monde sur le plan écologique ou social, mais il faut le faire de manière réaliste, lucide, en tenant compte du fait que tous les peuples dans le monde ne pensent pas forcément de cette manière-là et qu'un grand nombre de peuples cherchent juste à vivre mieux et donc sont obsédés par la production, la création de richesses. Oui, les jeunes changent beaucoup, beaucoup d'entreprises assez facilement, parce qu'ils ont compris que le contrat social qu'on avait connu, que mes parents pouvaient avoir connu dans les années 60, 70, de l'emploi sur le long terme, etc., c'est un serpent de mer, ça n'existe plus. Tu peux pas espérer rester 30 ans dans la même entreprise, parce que si tu es racheté par un fonds de pension qui a besoin de rentabilité à court terme et que tu n'apportes pas cette rentabilité, eh ben tu sors. Donc, il y a peut-être un peu de cynisme d'une certaine manière, mais cynisme qui est en phase avec la réalité économique de nos entreprises, clairement.